Mardi 18 juin 2019, bienvenue à cette édition. Au sommet de l'actualité de ce jour, l'enfant africain a été célébré samedi dernier à Koubri à l'occasion de sa journée internationale commémorée chaque 16 juin. Célébration faite au Burkina Faso par Compassion Internationale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vimkwega. Ouvrons cette édition par une note d'audience. Une délégation de la Direction générale de l'Union postale universelle a été reçue ce matin par le chef de l'État, Rokma Christian Kabore. Quel a été le menu de leur échange? Élément de réponse dans cet élément signé Jonas Tondé, Odette Zwangena. Faire connaître le tissu économique, parce que le tissu économique burkinabé mérite aussi d'être connu au niveau de ses artisans, au niveau de ses petites et moyennes entreprises, le commerce électronique est une source très importante. D'ailleurs, vous avez un bon exemple ici à la Poste du Burkina Faso, avec une plateforme. Eh bien, nous essayons de faire en sorte que ces plateformes se multiplient, qu'elles deviennent communes et que nous puissions aussi aider au développement. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Merci à toutes et à tous. Encore une fois, nous remercions le chef d'État, le Premier ministre et tout le gouvernement d'avoir reçu l'Union postale universelle ici à Ouagadougou. Nous avons tenu hier et avant-hier une importante réunion mondiale. Que la future stratégie postale universelle qui sera débattue au Congrès universel d'Abidjan en août 2020 soit la feuille de route du secteur postal pour les prochaines années, à savoir les années 2021 à 2020. Je vous l'annonçais en titre, le 16 juin de chaque année est célébrée la Journée internationale de l'enfant africain. Compassion internationale et ses églises partenaires Cluster Shalom, qui regroupe 13 centres de développement pour enfants, a célébré cette journée samedi dernier en différé à Koubri. Le reportage est de Moïse Kinda. Ils sont environ 1000 enfants à défiler dans les rues de la commune rurale de Koubri pour la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain. Cette journée de l'enfant africain est un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto en Afrique du Sud en 1976 par le régime de l'apartheid. Les centres de développement pour enfants du Cluster Shalom regroupent 13 églises évangéliques en partenariat avec l'ONG Compassion Internationale basée au Burkina Faso depuis 2004. Et c'est dans la commune rurale de Koubri que les moniteurs et enfants ont choisi pour célébrer cette journée internationale de l'enfant africain en différé. Un mémorandum a été lu par les enfants et transmis aux autorités communales pour qu'un regard favorable soit porté sur le droit de l'enfant. Nous profitons de cette tribune pour témoigner notre solidarité et notre compassion à tous les enfants de notre cher pays, victimes de cette barbarie humaine. Chers responsables communaux, je ne vous apprends rien quand je parle des fléaux qui entachent le développement de nouveaux enfants. En effet, dans ce monde à paix précaire, dans ce monde à stabilité éphémère, nous aimerons convaincus que quelque chose doit être fait. Nous continuons de penser que vous le pouvez. Oui, vous pouvez et vous devez. Vous pouvez et vous devez prendre des décisions pour la protection de l'enfant afin de favoriser, de protéger et de réaliser les droits de l'enfant contre les abus, la négligence, l'exploitation et la violence comme énoncé dans la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies. À ce propos, Nelson Mandela disait qu'il ne peut y avoir plus vive relation de l'âme d'une société que la manière dont elle traite ses enfants. Merci pour les efforts que vous consentez et consentirez quant à la résolution des mots qui retardent, qui freinent, que disent, qui minent notre société.
société en général et les enfants en particulier. La célébration de la journée de l'enfant africain de l'édition 2019 par les centres de développement pour enfants a eu pour thème « Action humanitaire dans un contexte d'insécurité au Burkina Faso, prise en compte des droits de l'enfant ». Au Burkina Faso, Compassion travaille depuis 2004 et nous avons plus de 320 églises évangéliques à travers le pays et ensemble plus de 980 000 enfants sont actuellement pris en charge par les églises et beaucoup de choses sont faites et nous voyons des enfants qui étaient véritablement dans des situations difficiles qui aujourd'hui, grâce à l'action des églises et Compassion, ces enfants ont une vie acceptable. Beaucoup ont pu se tirer leur épingle du jeu. On voit des enfants qui sont devenus des étudiants et certains ont eu des diplômes. Il y en a qui sont enrôlés dans l'armée, d'autres ont des activités dans tous les secteurs socio-économiques du pays. Alors nous disons donc que quelque chose est fait. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que tous les enfants qui viennent dans les églises et bénéficient d'un encadrement spirituel. Alors, c'est qu'ils reçoivent les aides à ne pas tomber dans les escarcelles de ce que nous voyons maintenant. C'était là l'occasion donnée aux enfants de s'exprimer à travers cette journée qui leur est dédiée. Je m'appelle Marcel Nougana, je suis le maire de la commune de Koubré. Je suis très heureux d'avoir tout ce monde-là dans ma commune ce jour, de nommer journée de l'enfant. C'est vraiment un grand jour pour moi et le conseil municipal de Dieu merci. Et rendre grâce à Dieu qui nous a permis de se retrouver ensemble pour parler de la question de l'enfant. C'est un honneur pour moi, puisque c'est d'un point, c'est une occasion quand même de partager des idées et puis faire savoir aux gens ce qu'est l'enfant. Nous sommes tous, comment dire, l'enfant ne doit pas, on n'a pas laissé l'enfant sur comme l'enfant doit être accompagné. Il faut bien éduquer l'enfant, il faut lui montrer ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Ce n'est pas de mettre au monde sur l'enfant et bien le laisser aller tout seul. C'est ça qui amène souvent des problèmes. Le banditisme, les délinquants, tout fait partie de l'éducation. Donc, j'allais profiter de mon micro pour demander aux parents de rester à côté de leurs enfants, de leur montrer ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc, je dirais merci à l'ensemble des organisateurs, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu protège le Burkina Faso et que nous nous éloignons de tout ce qui se passe comme mauvaise action dans notre cher pays. Elle a été célébrée le 15 juin 2019 à Koubri par les centres de développement pour enfants Closer Shalom en partenariat avec Compassion International, une ONG basée au Burkina Faso depuis 2004. Restons toujours dans le milieu chrétien. CVK LVD, en collaboration avec l'un de ses partenaires, l'association évangélique Perspective Réformée, a initié une formation sur l'utilisation des médias au service de l'Évangile. Débutée hier lundi, la formation prendra fin le 21 juin prochain. Moïse Kinda nous en dit plus. La stratégie de rédaction de messages audio-vidéo, la présentation et la lecture de scénarios, les techniques de communication, les techniques d'interview audiovisuelle, les techniques d'enregistrement portatif, les processus de production, la production en équipe, la vidéo-reportage avec smartphone mobile sont les modules qui seront dispensés au cours de cette formation qui a réuni une vingtaine de participants issus de plusieurs églises évangéliques. Cette formation, nous l'organisons justement en collaboration avec CVK LVD, mais aussi Radio Évangile Développement. Et c'est pour renforcer les capacités de tous les producteurs de médias évangéliques. C'est dans ce cadre que
Nous avons initié la formation et Dieu merci, elle a bien commencé aujourd'hui. 3 ans déjà avec nos collaborateurs, nous sommes dans la production d'émissions radiophoniques. Mais avec l'avancée de la technologie et tout ça, nous avons jugé qu'il était nécessaire, il était temps de se remettre à jour, de s'outiller de nouveau et surtout sur l'utilisation des nouvelles technologies. Et selon le formateur venu de l'Aisne, il souhaite voir à la fin de la formation des participants outillés pour être des meilleurs communicateurs, des meilleurs présentateurs et des meilleurs journalistes ou techniciens audiovisuels. Je suis dans le ministère des médias depuis 45 ans. J'ai commencé en Inde et puis finalement un peu partout dans le monde. J'ai été en Nouvelle-Zélande, au Soudan, dans plusieurs pays du monde. Je donne des formations aux journalistes sur quelle est ton audience, comment rendre ton message effectif, etc. Et puis sur les nouvelles technologies. Et puis c'est ma deuxième fois de venir au Burkina Faso et j'apprécie énormément comment ce pays a évolué. Je suis reconnaissant d'être là et de pouvoir former des journalistes, des producteurs et voilà tous ceux qui veulent communiquer plus efficacement l'Évangile. Cette activité est initiée par le groupe Perspectives Réformées en collaboration avec la radio-télévision Civica LVD. La clôture est prévue pour le vendredi 21 juin 2019. Et nous ouvrons la page de l'actualité à l'international. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a réclamé ce mardi une enquête minutieuse et indépendante après la mort en plein tribunal du président égyptien déchu Mohamed Morsi, qui était détenu depuis près de 6 ans. Sécurité renforcée aux environs du cimetière de Nassau City au Caire, où l'ancien président égyptien a été enterré ce mardi au crépuscule. Sur leur page Facebook, les frères musulmans accusent le gouvernement Sisi d'être responsable de la mort de Mohamed Morsi. Le commandant du coup d'état militaire et ses collaborateurs ont délibérément tué à petit feu le président Mohamed Morsi dans sa prison pendant de nombreuses années, le privant de médicaments, de son droit à être soigné et en empêchant sa famille et ses avocats de lui rendre visite. L'an dernier, une commission britannique indépendante avait dénoncé le maintien à l'isolement de Mohamed Morsi durant 23 heures chaque jour, dans des conditions pouvant relever de la torture. Sa mort subite relance le débat à propos des conditions de détention en Égypte, où des milliers de partisans des frères musulmans et d'opposants de tous bords sont toujours derrière les barreaux. La mort du président Morsi devrait attirer l'attention sur les conditions de détention de milliers d'autres personnes en Égypte, qui, sans être condamnées, sont envoyées en prison, en sorte de détention provisoire, ne comparaissant devant aucun juge et n'ayant pas le droit de voir leur famille. Human Rights Watch et Amnesty International réclament une enquête impartiale, complète et transparente sur les circonstances de la mort de Mohamed Morsi. À New York, des dizaines d'Égyptiens ont manifesté leur colère. Toujours sur le continent européen, Claus Ruf-Mathiesen, un Danois de 46 ans, a été élu maire de Rostock. C'est la première fois qu'un étranger prend la tête d'une si grande ville allemande. Cet homme, Claus Ruf-Mathiesen, est le nouveau maire de Rostock en Allemagne. Et si on parle de lui, c'est qu'il est danois. En remportant l'élection locale ce dimanche, il est devenu le premier étranger à être élu maire d'une grande ville allemande. Sa première déclaration a été pour rassembler tous ses concitoyens. Je suis très heureux. Maintenant, il est important que tous les habitants de Rostock parviennent à s'entendre pour avancer ensemble. Nous sommes tous dans un même bateau. Claus Ruf-Mathiesen est âgé de 46 ans, il est né à Copenhague et vit en Allemagne depuis le début des années 90. Il gère une chaîne de magasins d'ameublement. Il a également été à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de Rostock pendant plusieurs années. Pour ce scrutin municipal, il se présentait sans étiquette partisane. Pour une majorité d'électeurs, le fait qu'il soit danois ne pose aucun problème. C'est un pays voisin qui n'est qu'à 40 km d'ici. Moi j'aime bien les Danois, ce sont des gens qui sont très ouverts aux autres. Claus Ruf-Mathiesen s'est engagé à moderniser cette ville portuaire
Et si son exemple peut être reproduit, alors tant mieux, dit-il. Oui, c'est un beau message pour le reste de l'Allemagne, pour qu'on voit qu'ici, les gens sont ouverts d'esprit. En France, un ressortissant européen peut voter à une élection locale et même être élu conseiller municipal, mais en revanche, il ne peut pas être élu maire ou adjoint. Nous parlons nucléaire avant de refermer cette édition. Le nombre d'ogives nucléaires est en baisse dans le monde. Cependant, les armes se sont modernisées selon le rapport de CIPRI, l'Institut international pour la paix de Stockholm. Le nombre d'ogives nucléaires est en baisse dans le monde, mais les armes se sont modernisées. C'est la conclusion d'un rapport du CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, qui constate par ailleurs que les pays détenant l'arme atomique lui donnent une importance accrue, notamment les États-Unis. Les États-Unis qui, avec la Russie, détiennent 90% des armes nucléaires dans le monde. Le CIPRI estime aujourd'hui leur nombre total à 13 865, soit 600 de moins sur un an. On est très loin des 70 000 ogives recensées au milieu des années 80. Ce rapport dresse par ailleurs plusieurs constats inquiétants. Tout d'abord, l'accumulation d'armes nucléaires des deux côtés de la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Ensuite, l'expiration dans 2 ans du traité New Start de réduction des armes stratégiques entre la Russie et les États-Unis. Or, il n'y a aucune discussion sérieuse en cours pour le prolonger. Voilà, c'était là le dernier élément de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production et moi, vous souhaitons excellente suite de programme sur Canal Bimkera. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis la ville de Sierre.